Oh, et bien bonjour, bonjour à tous, de Tibet 55, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait une petite partie de Isaac en community remix avec Judas. La dernière partie était en live sur Twitch et j'ai fucked up avec Judas, donc on recommence avec Judas. Elle était très courte la vidéo la dernière fois, donc on va essayer de faire un truc un peu plus min-maxé. Première salle secrète, on a eu Cupid Arrow, donc il n'y a plus d'histoire de knockback qui tienne. Donc du coup, Widow. Et Widow, tiens, un peu en Widow, il y en a une qui est en train de grimper sur mon mur. Ça va me distraire, je le sens. Allez, un HP up, c'est tout ce que je pouvais demander de plus, enfin tout ce que je pouvais demander de mieux pour cet étage. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais terminer, hein, on va essayer de récupérer une clé, ça serait sympa. Donc Piercing Arrow, ce que ça fait, c'est que ça traverse les ennemis. Je pense pas qu'on puisse dire ça autrement. Ça traverse les ennemis et putain, arrête de galoper sur le mur quoi. Allez, j'ai une araignée qui est en train de se balader sur le mur là, c'est en train de me déranger parce qu'elle est juste derrière l'écran quoi. Donc dans la vision, je la vois dans ma vision périphérique quoi. Elle galope, là elle fait le tour, elle fait n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle fout? Ah, ça me dérange. Araignée, pousse-toi, je sais pas, va ailleurs. Un coup plafond, je sais pas. Ok, Curse of Darkness pour le Cellar 2. Ça m'a l'air d'être encore une run qui se barre dans des sommets de stupidité. Un cœur éternel. Ça, ce sera pour après. Je pense pas que j'ai oublié que j'ai un item à prendre. Donc vu que juste dans la salle avant l'item, je l'oublierai pas. Soyez-en sûr. Un cœur qui traîne ici. Le boss qui est là. J'ai bien envie d'aller me le faire tout de suite le boss, vu qu'en plus j'ai Book of Medea qui est chargé. Pin. Hop. Ok, la boîte en carton. Avec plein de trucs dedans. Une clé. Le stylo, que j'ai jamais trop compris quoi servait. Voilà, une bombe, un demi-cœur. Une pilule. Une carte The Servant. Je sais pas à quoi ça sert. La pilule. Tears up, parfait. Servant, je sais pas à quoi ça sert. Je crois que c'est un. Ouais, je crois que j'ai compris en fait. Si, je sais. C'est une pilule qui invoque un familier pour une salle. Donc non, ça sert à rien que de penser à rien maintenant. Et c'est pas une carte terrible, terrible overall. J'aimerais bien avoir la capacité de voler, mais le souci c'est que ça me laisserait avec très peu de vie. Ça pourrait peut-être même éventuellement me tuer. Mais je suis fou. Mais je suis complètement dingo. Donc voilà.
Ouais, on va dire que que l'audace paye parfois. Ah merde, j'aurais mieux fait de. Fut. Je peux encore y aller, mais ça va me coûter très cher en vie. Bon, vous allez me dire en même temps, vu quand je suis parti pour les pour faire des paris foireux, hein. Alors ça se donne bombes Zarki et tir se donne putain de oui je fais ce que vous pensez que je fais. Je fais bien ce que vous pensez que je fais. Tout ça pour une range upgrade. Ah là, d'un seul coup, je l'ai mauvaise, mais bon. J'ai essayé. Hein. Trop d'audace, ça tue. Bon, allez, on replay. J'ai fait ce que j'ai pu. Je suis pas fier de moi, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ça a pu mieux se passer, mais. Ne nous cachons pas que sur ce coup-là, c'est passé de façon relativement bof. Alors, la salle de l'objet, Black Bean, bon, panic fart. Peut servir. Donc grosso merdo, va falloir que je me fasse pas toucher du tout. Du tout. Pendant le boss. Ah, y'a rien d'autre à faire, hein. Ouais. Faire le boss sans mourir. Mais c'est Monstro, donc c'est faisable. C'est faisable. De toute façon, et lui, il peut one shot aussi, donc. Bon. revoir cet item juste après être mort pour cet item me fait dire que quelque part le jeu est encore en train de me faire une petite blague. Petite blagounette, ça entretient la bonne ambiance. Je trouve pas ça drôle du tout. Je tenais à le dire, je trouve pas ça drôle du tout. Plein de mouches. Des boulettes en mode random qui atterrissent, on sait pas où.
Skinny de mushroom, bon. Petit champignon bizarre. Augmente ma vie de ma cadence de tir. Donc, quelque part, c'était pas trop une perte. Un demi-cœur de fer, ça, c'est mieux que pas de demi-cœur de fer du tout. J'ai le ok. Un rocher gris, par contre, ça m'intéresserait d'avoir une bombe maintenant, d'un seul coup. Ça m'intéresserait très très fort, même. Merci pour la bombe, on va aller éventuellement la poser. On va pas fucked up le truc. On va essayer de la poser ici. On sort. On rentre. Et ça a parfaitement marché. Ok, puis j'ai gagné un peu mal d'argent dans la manœuvre. Plus des cœurs de fer qui sont indispensables pour la survie. Par contre, j'ai plus de bombes. Et il y a un rocher gris ici. Un sacrifice? Non, clairement pas. Je vais peut-être aller au shop pour voir s'il n'y a pas une bombe en vente. Que tiens, hop, salut. Panic fart, putain, tu m'as fait péter de peur, tiens. Ah, t'es content. On se trouve tous. Bon, s'il veut. Je sais pas pourquoi il a paru. Oh. Bug? Bon. Bizarre. Bug étrange. Une bombe, c'est bien. Judgment, c'est mieux. Ça, c'est une... Bad trip. Broken syringe, ça peut servir. Plein de clés, c'est classe aussi. Où c'est vous? Qu'est-ce qu'on a ici? Bloodhouse et... La capacité de voler. Obviously, j'aimerais bien Bloodhouse. Franchement, là j'aimerais très très fort. Mais là, le problème, c'est que si je le prends, je vais encore être dans une situation de merde. Dans une situation très pourrie. Bon, bah, vu que c'est la fête aujourd'hui, et ben, on va essayer encore. On va encore essayer. Le sort me sera-t-il favorable cette fois? Je n'en sais rien. Obviously, on va essayer la manière suivante, c'est-à-dire que je vais poser la bombe là, sortir très 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 vite, et j'ai pas pu sortir avant. Et j'ai qu'un seul cœur de fer, donc j'ai plus que deux cœurs de fer pour vivre. C'est petit, c'est laid, donc du coup je pop ma carte Judgment, et là je prie. Très très fort. Donne-moi un HP up s'il te plaît. Bon, niveau clé, ça va, je vais être tranquille. Il s'est tué, ce con. Ce con s'est tué, mais moi en allant le chercher, je serais peut-être mort aussi. Umbilical cord. Bien, alors résumons les choses depuis le début. Résumons les choses. Mon adjudant, c'est la merde. Je pense que le résumé était bien.
Ici. Parce que de crever si je prends ça. On préférait une HP up, putain. The Moon. Bon, j'ai trois cœurs de fer. Maintenant je me vla en mode Blue Baby. Bas de vie. Ah, il n'y a pas de salle secrète. Du coup. T'es en train de me dire. Ok, ça c'est... Quand je joue comme ça, j'aime bien. Ah, c'est une affaire qui roule, ma foi. Le boss Chubb en faisant une activation. Bon, c'est la version rapide de Chubb. J'ai plutôt intérêt à faire attention à ce genre de truc. Ok, ça c'est fait. Magic 8 Ball, on le prend pas. Et deal. J'ai ni l'un ni l'autre. J'ai pas de cœur. Je suis à 100 cœurs. J'ai pas besoin de ton stinking 8 Ball. Le seul truc qui pourrait être intéressant avec Magic 8 Ball, ce serait si il me filait s'il me passait un Hierophant, mais ça m'étonnerait. J'ai masclé maintenant. J'ai même très très masclé, j'ai envie de dire. Piper's Eyes. Pas le reroll donc on s'en fiche, mais bon ça fait... Ah bah tiens, il remarche. Il s'amuse plus à partir à gauche et à droite, n'importe comment là. Alors j'ai encore une clé, décidément. Et corruption. Corruption, c'est pour aller dans la Yammerer Room, il me semble. Ça tombe bien, j'ai pas eu d'item au niveau du boss, donc on va l'utiliser tout de suite. Alors des pièces. Ghost Baby, je vais le prendre, hein, ça fait toujours un DPS en plus. Contre la Crack the Sky, c'est pas la peine. Bref, ouais.
Catacombe 2. Oh, ça fait deux fois que je me pète là, cette salle. C'est quoi ce bordel? Mes dégâts sont sympas, du reste. Thème 16. Ah, ma foi. Allez, on va aller le buter. On va le buter en 2-2, lui. Me spawner sur la gueule. Sale bête. Alors... pour ce que j'en pense de Bloodhouse, c'est un item qui break le jeu tout bêtement. Hein. Encore des clés, décidément. Qu'est-ce qu'il y a avec les clés dans cette run là? C'est terrible. Attendez. J'ai mon manette qui veut serrer la malle. Ce que c'est, c'est de me mettre un petit peu à l'aise. Ok. Allez, c'est parti. Ah, Judgment. Éventuellement, ouais. L'échelle. Bon, vu qu'elle m'a coûté que deux pièces, hein, j'ai pas trop crié au scandale. Mais presque, hein, j'ai presque envie. J'ai tellement de clés que ça me paraît assez obvious que j'allais prendre le coffre. La salle secrète est là. Donc je l'ai vu. La salle secrète est là, donc on va utiliser une bombe que j'ai récupérée pour aller ici. Récupérer 3 pièces. Je m'étonne que c'était pas de l'arnaque du tout. J'ai terminé le floor, j'allais à l'arcade rapidement récupérer des bombes. On manque de bombes, hein. Ce patelin. Éventuellement trouver ça, oui. Je me suis fait touche. Une plein partout. Ici. Quad shot. Vu que j'ai eu un beau gros boost de. Ouais, tout va très bien. Vu que j'ai un beau gros boost de puissance. Avec Bloodhouse et un beau gros boost de... Ça, je sais pas si je vais y aller par contre, la salle maudite. Éventuellement peut-être récupérer un cœur de fer ou deux pour y aller. Je vais déjà faire le boss et puis on verra, tiens. Hop. Le shop. J'oublie tout le jeu. C'est vrai que j'oublie souvent le shop. Voyons voir s'il y a...
Grid. Non, par contre, il y a le Book of Revelation. Dans l'état actuel des choses, je pense que je vais le popper. Hop. On va affronter famine, enfin pestilence, mais bon, ça c'est pas grave. Je vais récupérer ça, j'y vais aller récupérer ça. On va faire un tour à l'arcade. Et d'abord déjà le boss. Vu que j'ai mon Book of Belial qui est prêt, affronter Pestilence maintenant me paraît une bonne idée. Easy. Easy. On va aller tout droit. Deux araignées. Et bah tant pis. J'ai perdu un cœur de fer, mais je vais essayer d'en aller récupérer un à la machine. À l'arcade, je veux dire. Mais des là, c'est plus des bombes qu'autre chose qu'il me faut en fait. Une sale blague. Allez, vas-y, tu me files des bombes, puis on est ok. Et pas de bombes, passe-moi-en, s'il te plaît, connard. Ça fait exploser. Le speed down. Préférer suicider que de me donner des bombes, vous rendez compte de ça un peu. Elf up. Il y avait ça dans ma rotation. Et ça c'est Tears Down. Oh merde. T'es sérieux? Ah, c'est une Edge Down. Moche ça. Moche de moche. Pas l'utiliser du coup. Enfin, essayer d'en choper une autre. Edge down là, ça ne me plaît pas. Bonne chose. Bien que j'ai Bloodhouse. Bombe. Pretty Fly. Il faudrait quand même que je teste si ça marche bien cette histoire. Il paraît que Bloodhouse tire sa force du nombre de cœurs vides qu'on a en fait. Ça c'est quoi? Bad gas. J'ai pas une rotation terrible là.
Bien. Par contre, j'ai récupéré des bombes, ça c'est cool. Et j'ai deux prétifelt, ça c'est très cool aussi ça. Hop. Encore une pièce. Merci pour le demi-cœur de fer. Il y a mes 15 pièces qui restent. Du neige down quoi. Il y avait une. Si j'ai chopé un Lucky Foot ou un truc comme ça ou un PhD qui traîne. Sympa. Pouf. La chance. La chance des gens. La grosse moulasse quoi. F up, oui, Q. Ici. Vu que j'ai plein de cœurs de fer, il faudrait que je teste ça. Bien comme je le pense, c'est bien le nombre de cœurs vides qui compte dans Bloodhouse et pas. Et pas le nombre d'HP overall. Ouais, je trouve il faudrait qu'il s'il y avait une blood bank là, c'est bien. S'il y avait une blood bank, j'essaierais bien de la. Non, je vais pas le prendre le cœur justement, je vais pas le prendre. Je vais pas prendre ce cœur non plus. Bizarrement, le jeu me cherche à me fier des cœurs. Bizarrement. Je trouve ça étrange. Si effectivement, si ça compte, ça tient compte plutôt des cœurs vides. Que du nombre de cœurs de vie totale. Ouais, ça devient vraiment suspect là, cette histoire de me donner plein de cœurs là. C'est pas. C'est pas honnête. C'est pas honnête, c'est pas tout net. Ah, je vais prendre une bombe pour 4 bombes. Ou pas. J'ai dit que je voulais faire le glitch. Moi, il fait le glitch où il a. Voilà, pas compliqué pourtant. Bordel. Bah j'ai mon. J'aimerais bien visiter un petit peu le reste du niveau mais. Un rocher gris. Une librairie. Et une machine liseuse de bonne aventure. Pas trop ça que j'aurais espéré, mais bon. Book of Despair, faut peut-être qu'un jour je le prenne. Est-ce que ce jour est arrivé? Ouais. Plus ou moins, on va dire ça.
Max Firehead avec avec du. Avec du quad shot, ça va être terrible. On fera ça, on verra ça contre le boss. Alors, ici, le shop, on n'a pas de blood bank ni de. Ah bah une elfe, tiens, hop, on va voir, bah on va voir là, ça fait rajouter encore un cœur vide. Boum. Peut-être que ça. C'est difficile à dire si mes larmes ont grossi ou pas. Difficile à. Peut-être. C'est possible. Non, pas au shop. Quoique, oui, ça... un ziotage n'engage à rien. Et s'il y a grid, au moins il sera pas dans le prochain shop. Team 16. Ouais non, pour le coup là ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Donc, je vais essayer Book of Despair. Ok. Deadly Swordsman. Je peux voir la capacité de voler si je veux. Bah, Max Fire Rate Up pour le coup c'est moins impressionnant que je ne pensais. Ou est-ce que je vais rechercher Book of Belial ou est-ce que je vais prendre le poney pour voler? Peut-être prendre le truc pour voler. 9 live. J'ai fait la connerie une fois, je la ferai plus jamais de ma vie. Par contre, du coup, je ne sais toujours pas si. Si le fait. Si ça compte mon nombre d'HP total ou si ça compte le nombre de cœurs vides que j'ai. Donc Guppy Spash, je sais pas si je vais utiliser du coup. Il me semble quand même que là mes larmes sont moins grosses qu'avant. Pourrait-il que ce soit vraiment ça? Pourrait-il que ce soit vraiment ça? Putain, je me demande. Je me demande là. Il faudrait une blood bank pour vérifier. Partir comme ça. Il faudrait vraiment une blood bank que je puisse vérifier ma théorie. Que mes larmes étaient plus grosses avant que quand il me manquait de cœur plutôt que maintenant quoi. C'est surprenant mais ça serait pas étonnant, enfin ça serait surprenant mais ça serait pas étonnant d'un point de vue équilibrage du jeu. Ultra Pride, oh là là, my god. Thank you.
The Eftend. J'ai encore bugué. The Eftend ou Broken Syringe? Broken Syringe, hein. Ouais. The Eftend est bien, mais... est-ce si bien que ça? Judgment, on va y revenir. On va y revenir. Alors là, c'est évident. Route. The World. On verra ça pour l'étage suivant. Là, c'est quoi que j'avais? Wheel of Fortune. On verra. Bref, on va popper. La carte, ok. Là c'est The Magician. Non. World. Treasure map. Et bah du coup le World. Et il n'y a pas de d'arcade. Merde. Je suis un peu dégoûté. Un peu. Du coup je peux même pas tester mon truc hein. Ah, je suis blasé quoi, ça m'énerve. Absolument que je garde plus de 5 pièces pour faire spawner une, pour faire garder la chance de spawner une arcade. The Bean, c'est pas assez bon, j'en veux pas, merci pour lui. Hein. Je le prends mais j'en pose, j'en veux pas. Il y aurait tellement une boot bank quelque part. J'ai plus qu'un demi cœur de vide et j'ai l'impression qu'effectivement mes armes sont encore moins fortes que tout à l'heure. Route. Ça a tendance à confirmer. Aïe. En or. Sinon ça a été une machine à sous. La machine à sang. Ah bordel. Bon. Vous me la mettre sur l'oreille quoi. C'est ça que t'es en train de me dire, je. Tu vas l'ouvrir ou bien? Elle veut pas. Nine volts.
Bon, ça ne me fait pas descendre en dessous de... Ça me fait pas descendre en dessous de... des 5 pièces, donc c'est bon. J'espère vraiment que je vais avoir cette arcade à l'étage suivant, parce que là, franchement... Pas pouvoir tester mon truc, voir si ça marche comme je pense que ça marche, ça m'énerve. Quoi l'autre? Magicienne. Voilà. Wheel of Fortune, mieux. Ok, allez, c'est parti. Ok, donc le Polaroid. Ah, bon. Étage suivant. The Bomb 1. J'ai de la chance. Et je suis complètement con, pourquoi j'ai pris ce truc? S'il n'y a pas d'arcade ici, je comprends pas quoi. On va essayer en haut maintenant. Pas d'arcade ici encore une fois, pas de bol, j'ai vraiment pas de bol. Elf up, ouais, bah oui, de toute façon je vais l'utiliser. Hein. Rajoute un cœur de vide. Utilisation. Oui. Voir si niveau de la... Ah oui. Oui, oui. Ah oui, bah oui, là j'ai encore bien en tête la vitesse de descente de Chubb dans la salle là, juste avant, là, il y a 2-3 salles. Descends plus vite la vie. Descends plus vite la vie.
descendre plus vite la vie. Ça tendrait à dire que c'était le gars qui disait que c'était le nombre de cœurs vides qui augmentait la puissance de Bloodhouse. Il avait raison, depuis le début. Du coup, est-ce que je remplis mon cœur? Non, j'ai pas trop, j'ai plus tellement envie là du coup. Encore une elf up. Putain. Je vais utiliser. J'ai quand même envie d'essayer la. D'arcade quoi. Toujours pas d'arcade, toujours pas d'arcade. Alex. Bon, normalement lui il a pas mal de vie donc. Voilà, c'est réglé. Alors, deal avec Satan. Oui, possibilité que. Pacte, bonne chose de fait. Voilà, je vais prendre. Par contre, je suis full HP là. Je suis full vie et c'est un petit peu emmerdant avec Bloodhouse d'être full vie. Mais c'est pas bien grave. In utero 2. Emmerdant aussi ça. Route.
Verticap. Au moins, lui, il aurait peut-être tendance à me dire que s'il y a de les... S'il y a une arcade dans le floor ou pas, quoi. Ouais, cool. Cool. Ah, pour faire, on va pour faire le test maintenant. Hop. Encore un test, encore un essai, enfin voilà. Enfin, j'essaie de récupérer une paire de cœurs de fer. Diermite, non. Hein, c'est quoi ça? Soul Penny? Oh my god! Northern Lion n'a encore jamais eu celui-là. Je vais garder Soul Penny. Je pense savoir quoi ça sert et ça, si c'est bien ce que je pense, ça va juste être. Ça va juste être carrément. Ça n'a pas marché là, mais... Non, non, je prends pas Gotouf, je prends Soul Penny. Non, je prends Soul Penny, j'ai dit. Par contre, c'est toujours dans le merdier avec les trinkets et qu'ils font n'importe quoi. Youngman, on s'en fiche pas mal. Pas de Penny, on s'en fiche aussi maintenant. Là, j'aimerais bien juste un Hierophane quoi. Full. Pas de Penny. Cette Skull. The Young Man. Full. De Penny, voilà. Non, Red of the Bat, moi je prends le full Penny. Full Penny, bordel. Ok, oui, c'est bien ce que je pensais. C'est bien. C'est bien un distributeur de cœur de fer. C'est vrai que d'un seul coup je me demande si je suis si plus puissant que ça. Ça restera un mystère pour moi cette histoire de fonctionnement de Bloodhouse. Ok. Bon, bah obviously on va avoir le cœur net. Hey, je le one shot. Oui, je suis plus fort. Pas de beaucoup, mais je suis plus fort. Je ne le one shotais pas avant. Non, je le one shot donc. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Auquel cas ça donne une dimension assez bizarre à cet objet. Que là, du coup.
Si on veut exploiter au mieux, il faut se mettre en difficulté, quoi. Tears up, c'est ça? Ouais. Hop. Est-ce que la différence est si flagrante que ça? C'est ça que je me demande. Est-ce que c'est si important que ça comme différence? J'ai pas l'impression. C'est ça qui me fait dire que... Est-ce que ça vaut le risque? Ça serait bien... Ce serait bien dans le style du jeu de nous faire poser une sorte de question. Un tout petit peu plus de puissance mérite de se mettre en danger. À ce point. Je ne crois pas. Oh bah oui, fier him. Ok, je encore, il fait des trucs, voilà, ça marche. Je vais me remettre full vie et je vais aller. Hey, ça sera peut-être plus là si je vais me chercher de full vie. Anous. Je vais pouvoir aller me pendre. Bon, on va lire. Bonjour à Tantan. C'est à mon avis pas du tout la bonne direction, mais bon. Être chaud d'aller jusqu'au bout. Ça le couche, afin de me dire. Je suis Satan, je suis où moi? Visiblement pas en haut, soit en bas, soit. Bon, je compte sur toi, machine à sous. Donne-moi de la vie, s'il te plaît, machine à sous. Machine à sous, tu es... pathétique. Bon, je vais aller par là, j'espère que c'est par là. Oh, c'est vrai que ça, je fais mal. La tique, non. Aouh. Dégâts de merde. Good bang, c'est pas le moment. Bien, ça c'est très bien. C'est encore mieux. Merde, il est pas là. Just speed down. Oui. Donc il est de l'autre côté. Fuh.
Un dégât de merde, putain, je vais pas y arriver vivant, hein. Ça va pas m'aider plus que ça le cancer Trinket. Bon. On va prier. Il faut que ça marche sur une mésentente. 1, 2, 1, boum. Putain, à chaque fois je me fais avoir d'une demi-seconde quoi. Bouf, ça c'est fait. Satan est mort. Et me voilà dans le coffre. Tout speak. Tablier, c'est un peu de la merde. Le Clétmil, que je m'en fiche un tout petit peu. The Miter, c'est très bon. The Miter, c'est très très bon. Très 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 bon. Salle secrète ici, en espérant qu'il y aura de la thune. Rolliver. I guess Dieu existe, merci Northern Lion. Et si je suis Blue Baby, je suis partout sauf là où je suis pas vers où j'allais. Mourut. Ça va par là. Et le boss est là. Yay. Yeah.
because I'm happy. Excellent. Ok, bah Strength Card, parfait, je vais apprendre avec moi pour le dernier combat. Et c'est parti, en avant! Blue Baby. Je pense que le tanker, c'est une bonne idée. Une bombe aussi au cul, ça peut aider. Voilà, il est mort. Et voilà, Judas Tong, Judas de Datsuki, la fin du jeu terminé, it's over. Blast it. Et bien à bientôt.